Bonjour à tous, c'est une étape sous haute tension qui a été préparée pour les coureurs. Si les candidats à l'échappée paieront chèrement leur place à l'avant, les acteurs principaux du classement général ne devraient pas non plus être épargnés par le stress sur les routes étroites qui seront empruntées. Il a demandé à ses équipiers de gérer l'écart. Il veut sans doute jouer la victoire au sprint. C'est le plus rapide au sprint dans le groupe de tête. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. Les premiers sont à 2 km du grimpeur. Passé en tête du grimpeur, c'est bien. T'as une trente d'avance sur le peloton. Ça sent le bon coup, ça. Il a pas l'air de vouloir vous laisser plus d'avance et ses équipiers roulent. Ça va être le jeu du chat et de la souris. Si les bosses sont courtes, il passe plutôt bien. Par contre, les cols ne sont vraiment pas son fort. Vous êtes à 5 km du sprint intermédiaire. Voilà le vainqueur du sprint intermédiaire. Crevaison, crevaison! Non, je déconne, c'est pour réveiller le mécano. La prochaine côte est elle aussi classée 3e catégorie. C'est la côte de Clairvaux-les-Lacs. Pas très difficile, mais le final sera bien plus exigeant. Tu sembles être le meilleur puncher du groupe. Tu devrais arriver à passer en tête. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. Va falloir accélérer le rythme. Son équipe a commencé à mettre en route derrière.
Les compagnons d'échappée ont l'air de vouloir accélérer le rythme. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher. La tête de la course entre dans les 50 derniers kilomètres. L'enchaînement des bosses va être décisif, mais il faudra garder toute sa lucidité lors de la descente finale sur Oyonnax. Ses équipiers mènent la chasse en tête de peloton. Les intentions ont l'air claires. Jouer la victoire au sprint. Vous êtes à 2 km du grimpeur. Allez les gars, courage! Allez les gars, courage! Tu sembles être le meilleur puncher du groupe. Tu devrais arriver à passer en tête. T'es passé en tête du grimpeur, c'est bien. La descente que les coureurs vont aborder maintenant ne va pas leur permettre de se refaire une santé. Elle est peu pentue et il faut donc continuer à pédaler. 1 minute 30 de retard pour le peloton sur la tête de course. 30 secondes d'avance pour la tête de course. D'accord. Si ça roule trop vite, on n'insiste pas. Allez, courage les gars. D'accord. Si ça roule trop vite, j'insiste pas. T'es à 2 km du grimpeur. T'as 30 secondes sur le peloton. Il a demandé à ses équipiers de rouler sur toi. C'est trop dangereux. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui.
Il faudrait être concentré et garder son sang-froid dans les 10 derniers kilomètres. C'est assez sinueux et la moindre faute se paiera comptant. Plus vite ! Allez, allez, allez ! Courage, on continue ! Allez, 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 allez. Un équipier est tombé. On est trop près de l'arrivée pour l'aider. Chute collective. Ça risque de provoquer des cassures. Courage, on continue. Allez, plus vite, plus vite. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de cette épreuve. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à pois de cette épreuve. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Un immense bravo pour cette victoire, les gars! Nos chances étaient quasi nulles! C'est une performance exceptionnelle! Vous avez battu tous les favoris! Oh.